la France devant l'Allemagne. C'est du jamais vu depuis 2009. Bon, alors là, il va falloir que je t'explique un truc. Du jamais vu, je vois ce que c'est. C'est quelque chose qui s'est jamais produit. Enfin, jamais produit jusqu'à ce jour, hein, jusqu'à ce que tu m'en parles. Mais du jamais vu depuis, là je vois pas trop. Du jamais vu depuis 50 ans. Bah oui, si on l'a vu il y a 50 ans, c'est que c'est pas du jamais vu. Hein, tu vois ce que je veux dire? Du jamais vu depuis une dizaine d'années. Non, t'as pas compris, je crois. Non. Attends, attends, je t'explique encore. Ça, c'est la ligne de temps, tu vois. Ça, c'est l'événement. L'événement, il est là, voilà, là. Avant, il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas. Mais s'il y en a un autre qui se reproduit après, tu pourras pas dire qu'on n'en avait jamais vu, c'est clair. 106e jour sans gel, au pic du midi, du jamais vu depuis que Météo France a ouvert sa station en 1882. Ah oui, mais tu peux pas être sûr. Tu peux dire, à la limite, que c'est du jamais vu, en tout cas depuis 1882. D'autant que Météo France n'existait pas en 1882. Mais c'est pas ça le sujet. Du jamais vu depuis 1982, date des premiers relevés météorologiques. Non, les relevés météo datent de bien avant. Il y en avait déjà en 1922. Mais c'est pas ça le sujet, je le répète. Le sujet, c'est du jamais vu depuis. Du jamais vu sur les Champs-Élysées depuis très longtemps. Oui, alors ça, c'est encore pire. Du jamais vu depuis très longtemps. Alors, quand un journaliste a autant d'infos que ça sur un sujet, hein, comme disait Coluche... Il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Eh oui, eh oui, eh oui. Non mais alors, il faut dire comment? Eh ben comme ça. Du jamais vu en France. Ben voilà. Si c'est du jamais vu, c'est qu'on l'a jamais vu. Et puis, si tu veux vraiment donner une date, hein, si on l'avait déjà quand même vu avant... Eh ben, tu peux dire qu'on n'avait pas vu ça depuis cette date. Et voilà. Non, mais je vais pas te donner ma langue en plus, non? What is this crazy rock and roll music anyway?